Alors, juste un énorme bravo à l'Olympique de Marseille. Bravo, les gars. Juste bravo. Voilà, les gars. Voilà, je sais pas quoi vous mettre à part ça dans le titre, les gars. Juste énorme bravo. Bonjour à tous, les gars, et bienvenue sur la chaîne. Bravo. Voilà, quel match. Le match qu'il fallait gagner, on le gagne. On ramène encore 3 points en Ligue des Champions, les gars. Contre le Sporting, on prend le match 2-0, les gars. C'est juste parfait. Vraiment parfait. Le résultat est parfait. Que dire? Que dire? Parce que ça a été un match de fou. Je me suis régalé tout le long, les gars. Tout le long. Alors au début, les gars, on commence bien. On s'est fait un peu peur quand même. Hein, parce qu'on va pas se mentir. Gros, gros pressing du Sporting en début de match. Très gros pressing. Mais c'est incroyable, franchement, je suis moustillé, je suis tout émoustillé, les gars. C'est incroyable ce qui se passe, c'est incroyable. Voilà le match de fou, frère, un match de fou. On a le public du Sporting qui s'est éteint, on a entendu les Marseillais tout le long. C'est dingue, voilà, c'est complètement dingue, les gars. Bon, ils se prennent deux cartons rouges, mais deux cartons rouges mérités, gros. Deux cartons rouges mérités, frérot. Ah, bordel, les gars, je suis tout feu, tout flamme. Les gars, deux cartons rouges mérités. C'était full faute, donc full carton, logique, frère, logique. Ah, arrête le foot, frère, mets-toi au rugby. C'est plus des tacles, frère. C'est des plaquages, bientôt. Arrête tes conneries. Donc oui, deux cartons rouges mérités. Donc oui, forcément, l'OM, on prend l'avantage. On gagne 2-0, un but sur penalty de Guendouzi, d'où le premier, voilà, d'où les premières fautes, hein, ils sont arrivés là, de toute façon. Hein. Voilà, Guendouzi qui marque. Deuxième but de. Ça y est, je suis en fusion, frère, il y a tout qui se mélange. Désolé, les gars. Deuxième but d'Alexis Sanchez, l'équipe, sur une passe D d'Amin Harit. Alors, Amin Harit, les gars, faut qu'on en parle. Franchement. Faut vraiment qu'on en parle. Quel match! Mais quel match de bonhomme! Alors, Amin Harit, frère! T'as été monstrueux. Et depuis qu'il est revenu à l'OM, il montre des choses, le bougre. Juste magnifique. C'est toujours vers le but, vers le but, vers le but, vers le but. Il pète les lignes, il pète les lignes, il pète les lignes. Bravo Amine, franchement bravo et tu aurais mérité de mettre le tien ce soir, franchement tu aurais mérité de mettre le tien, dommage, dommage que ça n'a pas payé au niveau des buts pour toi, mais alors t'as fait un match de fondu Amine, mais il a fait un match de fondu Amine Harit, bravo, bravo, je tombe amoureux de ce mec, petit à petit, bravo, franchement bravo, un match de dingue les gars, un match de dingue, et... Mérité, mérité, parce que comme je te dis, les mecs, c'est plus du ballon, c'est plus du ballon rond. À ce niveau-là, bravo les gars, franchement bravo. Tout le monde a été super bon. J'aurais même pu mettre presque match de référence, mais pas tout à fait, parce qu'on a manqué. Pas on a manqué d'intensité à la fin, mais je pense qu'on a voulu gérer le score. Hein, on menait 2-0. Donc, excusez-moi les gars, donc je pense qu'on a voulu juste voilà, tenir le score tranquille. Et puis, ils ont fait le taf. Voilà, tout simplement, pour moi, les Marseillais ont fait le taf, les gars. C'est juste magnifique ce qui se passe en Ligue des Champions pour le coup. C'est de bon augure pour le match au PSG, les gars. Parce oui, on va se déplacer au PSG pour le prochain match. Et je pense que moralement... Ça va le faire. Et faut y croire. Franchement, faut y croire, les gars. Faut y croire. Parce que si. Voilà. Franchement, faut y croire, les gars. Il faut être derrière notre équipe. Il faut qu'on y croie, les gars. C'est tout. Faut qu'on y aille. Là, faut qu'on y aille. C'est incroyable ce qui se passe à l'OM, quand même. Depuis. Et moi qui ai été critique avec Tudor sur les matchs de prépa et tout. J'avais peur. C'est incroyable ce qui se passe. Totalement incroyable ce qu'il se passe, les gars. Un grand bravo. Tout le monde a été bon. À part Nuno Tavares, que j'ai trouvé un poil en dessous aujourd'hui, même plutôt
plutôt 2-3 points en dessous. 2-3 points en dessous, Nuno Tavares. Mais malgré tout, tout le monde a fait son match. À part les entrées, Payet, Koussi, Koussa, hein. On comprend pourquoi il n'est pas trop titulaire en ce moment. Zengizunder, bon, bof aussi, j'ai trouvé bof. Pour moi, il doit apporter plus. Pour moi, il doit apporter plus, clairement. Mais sinon, excellent. Excellent, hein, frère. Et Sanchez, faut en parler. Mis à part son but, ça se voit qu'il donne de l'envie à ses coéquipiers. Ça se voit, il les pousse ici et là. Bravo. Franchement, je suis très, très, très content de ce qui se passe à l'OM ces derniers temps. J'avais peur que ça nous tape sur le moral le match dernier en Ligue 1. Mais les gars, force est de constater que les mecs, ils ont faim, frère. Ils ont faim de bons résultats. Et ça se voit, ça se voit. L'équipe qui a été alignée ce soir, ça se voit qu'ils ont faim de résultats, les mecs. Et... voilà. Comment ne pas être content après ça? Donc, j'ai pas sorti la vidéo que je comptais sortir parce que j'ai eu du mal à gober le match dernier. Donc, fallait que ça redescende. Mais bon, là, du coup, elle va arriver cette fameuse vidéo sur le certain joueur que je tiens énormément à parler. Hors OM, hein, c'est rare que je vais faire une vidéo hors OM, mais obligé, cette fois-ci, obligé. Et vous comprendrez pourquoi. Donc, voilà, vraiment un grand bravo à l'équipe de Marseille. Bravo aux supporters parce que on n'a entendu que les supporters marseillais, les gars. Je suis désolé, encore une fois, bravo. Y a que chez nous que tu vois ça, y a que chez nous, tonton. Et le stade, on l'a éteint. On l'a éteint, c'est tout. Donc voilà, un grand bravo. Un très très grand bravo. On voit que. Voilà, le format tactique, il marche. Et tout ce qui s'ensuit. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que Payet, c'est pas ça, parce que peut-être c'est un format qui lui convient pas, tout simplement. C'est ce que je commence à penser de plus en plus. Je pense que c'est un format de jeu qui n'est pas forcément fait pour Payet, ou peut-être plus. Peut-être plus, du moins, parce que faut prendre en compte que Payet commence à avoir son âge aussi. Hein, et rares sont les joueurs qui vont plus loin que ça, hein, en général. Hein, voilà, donc voilà. Pas étonnant de tout ce qui se passe, vraiment pas étonnant des performances, pas étonnant, voilà, c'est tout. C'était pressenti. Et je tenais à dire aussi les débriefs de Canal+, rien à voir avec l'équipe, hein. Franchement, il faudrait qu'ils prennent un peu exemple. Bon, après, il y avait deux Marseillais sur leur plateau ce soir, notamment une légende de chez nous, Didier Drogba. Un pincement au cœur de l'avoir vu sur Canal ce soir. Donc voilà, très content les gars, très très content, très 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 content. La défense parfaite aussi, rien à dire, hein. magnifique défense. Balerdi qui pour moi a su se rattraper du match dernier, pour moi tout simplement. Il a été très bon Balerdi, donc une très bonne défense. De là à dire que ça devrait être la défense type, je pense pas. Où j'en suis peut-être pas encore persuadé. Pour moi, il y avait tout le monde, mais Balerdi, pour moi, même si ce soir il fait un bon match par rapport à sa régularité, je pense pas que ça doit être quelqu'un qui doit être titulaire sur tous les matchs. Mais sinon, c'est l'équipe qu'il nous faut. C'est clairement l'équipe qu'il faut. Clairement. Peut-être redescendre un peu Guendouzi et. Pour Veretout, et encore, j'en suis même pas sûr. Franchement, j'en suis même pas sûr, parce que même Veretout a énormément apporté. Mais pour moi, l'homme du match de ce soir, les gars, c'est Amine Harit. Clairement, ça, voilà, ça se voit clair comme une roche. C'est Amine Harit qui nous a sorti un match de fou furieux, les gars. Un match de fada. Donc voilà, les gars. Sur ce, je vous quitte avec le sourire. Et bien évidemment, un grand merci à vous. Un grand merci à vous, vous qui likez les vidéos et tout, alors que je le demande pas forcément, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Et merci à vous, franchement merci à vous de faire vivre cette chaîne, de me faire vivre cette histoire. Et allez l'OM les gars, voilà, tout simplement, allez l'OM, bordel, nom d'une peps, allez l'OM.
Allez, les gars, cœur et santé sur vous. Et on se dit dans un ou deux jours pour cette fameuse vidéo. Allez, les gars, peace et bonne nuit, bien évidemment. Bonne nuit, et on va tous bien dormir, c'est certain, on va tous bien dormir. Allez, les gars, génial.